Alors nous sommes ici au cœur de la prison révolutionnaire de la Conciergerie. Donc au cœur de cette prison, eh bien, se trouve cette chapelle, chapelle commémorative qu'on appelle aussi bien souvent la chapelle expiatoire de la Conciergerie. Louis XVIII va aménager cette chapelle pour rendre hommage à Marie-Antoinette, puisque nous sommes ici à l'emplacement où la dernière reine de France du XVIIIe siècle a été enfermée. Dès que nous rentrons dans cette chapelle, il suffit de regarder sur le vitrail. Nous avons ce monogramme M et A. Nous l'avons également sur les murs, dans les écoinçons de l'arcade. Nous avons la fleur de lys, symbole des rois de France. Nous avons aussi des textes. Dans la partie supérieure, il y a une dédicace, en latin, qui a été rédigé par Louis XVIII lui-même. Cette dédicace explique combien de temps Marie-Antoinette a passé ici à la Conciergerie. Elle a passé au total 76 jours. Et si elle arrive à la Conciergerie, eh bien c'est pour être jugée au tribunal révolutionnaire. Nous sommes le matin. Petit matin du 16 octobre 1793, Marie-Antoinette va rédiger une dernière lettre à sa belle-sœur, Madame Élisabeth. Louis XVIII a fait graver un court extrait de cette dernière lettre. Que mon fils n'oublie jamais les derniers mots de son père que je lui répète expressément, qu'il ne cherche jamais à venger notre mort. Je pardonne à tous mes ennemis le mal qu'ils m'ont fait. C'est l'extrait le plus touchant que Louis XVIII a fait graver ici dans le marbre. Derrière moi, vous avez une stèle qui rend hommage justement à Madame Élisabeth. Et face à cette stèle, nous avons aussi une stèle qui rend hommage à Louis XVI. C'est également le cas avec une série de trois tableaux peints en 1817. Nous voyons Marie-Antoinette dans son cachot ici de la Conciergerie. Sur un autre tableau, nous la voyons en train de prendre la communion des mains d'un prêtre. Et sur le dernier tableau, nous voyons les adieux déchirants de Marie-Antoinette à sa fille Marie-Thérèse. On a aussi des larmes d'argent qui coulent presque sur les murs de la chapelle. Tout est fait ici pour qu'on pleure le sort de Marie-Antoinette.